Hey, salut les gens, salut tout le monde. C'est Love Too. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo sur Call of Duty Modern Warfare. Aujourd'hui, on va se retrouver pour mon premier plus de 100 kills sur Call of Duty Modern Warfare en GT, en solo, à la M13. Une arme qui est vraiment très intéressante, comme j'ai pu vous montrer dans la dernière vidéo, avec mes 5 best class setup pour réaliser votre nucléaire le plus facilement que possible sur Call of Duty Modern Warfare. Et je voulais quand même aujourd'hui vous présenter mon premier plus de 100 kills en solo. Malheureusement, il n'y aura pas de nucléaire, mais quand même 105 kills en solo, ça claque des culs. Ça claque des culs, franchement, il n'y en a pas encore beaucoup au niveau YouTube, et je me suis dit, allez, autant vous le présenter, etc. Ça change à chaque fois des gros gameplay nucléaires, etc. Et de tout ce qu'il faut, et puis se dire, bon, pour une fois, un petit 100 kills, pourquoi pas. Genre, il y a vraiment du frag. Avant d'attaquer, on va dire un peu le sujet de cette vidéo, n'oublie pas de t'abonner si tu es nouveau, voilà, d'activer les notifications pour rater aucune des prochaines vidéos, surtout pour ce genre de massacre. Tu connais l'objectif, plus de 100 frags, plus de 1000 likes. Allez, let's go, vous êtes là, vous êtes présents. Et surtout, demain, on va attaquer du lourd avec la saison 1 de ce Call of Duty Modern Warfare. Donc, n'hésite pas à défoncer cette barre de likes si toi aussi tu es hypé concernant ce Call of Duty Modern Warfare saison 1. Parce que franchement, Shipment, j'ai vraiment hâte de voir ce que cela va donner. Même si Crash, je suis un peu moins, parce que étant donné que j'ai joué à Call of Duty Modern Warfare Remaster, et on a pu voir à l'époque comment ça jouait Crash. Voilà, hein, ça campait un peu beaucoup, malheureusement. Hein, ça cherchait beaucoup les tops et tout. Donc j'espère que forcément, ça sera pas forcément le cas. Même si, voilà, j'ai une petite crainte là-dessus. C'est vrai que je suis toujours assez méfiant concernant les nouveautés qui peuvent arriver sur Call of Duty en règle générale. En règle générale, hein, ça a toujours été un peu ainsi sur Call of Duty. Enfin bref. Par rapport au plus de 100 kills, la petite classe M13 que j'ai montré très récemment et que j'ai redétaillé un peu plus par la suite, qui est une classe totalement sous-cotée par la communauté. Donc ça, j'ai toujours trouvé ça un peu dommage d'ailleurs, hein, parce que franchement, c'est une arme qui aurait tellement mérité beaucoup plus de la part de la communauté niveau attention, comme la AK-47. Je vais vous faire une vidéo prochainement AK-47, mais c'est une dinguerie la AK-47. C'est une dinguerie. La M13, genre, elle bouge pas, elle a une excellente cadence de tir. Toutefois, elle fait vraiment très peu de dégâts à un niveau de portée. Contrairement à la M4, justement, la M4 qui fait pas mal de dégâts à une certaine portée. Mais on va dire que tout ce qui est corps à corps, la M13, c'est incroyable. Franchement, c'est incroyable. C'est une dinguerie. Donc, je vous recommande énormément de jouer avec. D'ailleurs, c'est comme j'avais dit un peu la dernière fois sur Call of Duty Black Ops 3, avec le délire que, justement, avec cette arme-là, ça ressemblait énormément au fait que l'arme a une bonne cadence de tir et, en plus de ça, un recul incroyable, ce qui permet justement de pouvoir réaliser en fait une sorte de, on va dire, de best class setup mi-SMG, mi-AR. En fait, c'est vraiment ça le délire avec la M13, et c'est pour ça que je surkiffe jouer avec cette classe là c'est que c'est une arme vraiment très polyvalente, tout ce qui est corps à corps, mi-distance et tout ce qui est long shot, elle ne bouge pas. Alors effectivement, pas beaucoup de dégâts, mais au moins elle est intéressante. D'ailleurs, c'est pour ça que je mets toujours le viseur, le mini viseur GI, je sais plus comment il s'appelle, avec le silencieux monolithique. Comme ça, il y a les portées de dégâts, je sais pas comment ça s'appelle, qui permettent justement de pouvoir réaliser, enfin de pouvoir compenser, voilà, compenser, on va y arriver, on va pouvoir compenser justement le fait que justement on puisse réaliser un maximum de dégâts tout en restant silencieux avec cette arme là voilà. Après, c'est de nouveau les goûts et les couleurs par rapport à ça. Chargeur de grande capacité, c'est absolument normal, parce que sinon l'arme est giga horrible. Et de toute façon, je vous montrerai maintenant ma classe, voilà, comme ça vous êtes au courant de ce qu'il faut. Et je vais vous laisser avec la suite du gameplay en musique et tout, parce que je vous avoue que commenter plus de 15 minutes ou même voire un peu moins de gameplay, c'est un peu long. Donc je vais vous laisser là-dessus. Comme je vous ai dit, je compte sur vous pour les likes et tout ce qu'il faut. Et je vous dis bye et à la prochaine pour une toute nouvelle vidéo. C'était Love Too. Ciao ciao tout le monde. Already shattered.